Restons debout pour la lecture de la parole. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans les psaumes, le psaume 73, et à partir du verset 25. Psaume 73, et au verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as néanti tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Par céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Aide chaque personne ici à pouvoir s'approcher pleinement de toi. Seigneur, c'est ta volonté que nous puissions marcher dans ta présence, dans ta puissance, en tout temps, en tout lieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le psalmiste avait une relation profonde et merveilleuse avec le Seigneur. Je vous pose la question, est-ce que vous avez la même sorte de relation? Une relation profonde, une relation merveilleuse. Est-ce que vous avez l'assurance de sa bénédiction, de sa présence? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Le psalmiste parle ici du fait de s'approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dieu bénit ceux qui s'approchent de lui. Dans Jacques, au chapitre 4, nous voyons que Dieu, quand on s'approche de lui, il nous bénit par sa présence. C'est à nous de prendre le pas, de faire le pas. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et Jacques explique en partie ce que nous devons faire pour nous approcher de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pour s'approcher de Dieu, nous devons donc nous repentir. Nous devons faire le maximum pour que nos cœurs soient purs, que nos vies soient saintes
Évidemment, nous ne pouvons pas arriver tout seul. Mais quand Dieu voit une personne sincère, il envoie son esprit. Et son esprit aide cette personne à réussir. Dieu désire être avec nous, en nous, par son esprit, en tout temps. Il veut nous bénir par sa présence. Il veut que nous puissions vraiment ressentir cette présence en tout temps. Mais il y a des choses que nous devons faire pour expérimenter cette présence, cette forte présence en tout temps. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jésus-Christ a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est présent par son esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Christ et l'Esprit de Dieu. Mais c'est à nous de demeurer en lui en premier. En d'autres termes, nous devons rester conscients de la réalité qu'il est là. Et nous devons respecter sa présence. Vous savez, quand les gens vont à l'église, en général, ils s'habillent bien, ils mettent le sourire. Ils pensent aux choses de Dieu, mais le reste de la semaine, les gens dans l'église, et je pense à des bâtiments d'église comme l'église catholique ou protestant, ou ce soir on n'est pas dans une église, un bâtiment d'église, mais nous sommes l'église. Le vrai sens du mot « église » dans la Bible, c'est que c'est le peuple rassemblé en son nom. Mais beaucoup de gens vont dans des bâtiments d'église et agissent de manière respectueuse. Parce qu'ils croient que Dieu est là. Mais pour le vrai disciple de Christ, Dieu est là. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 3. Si on est réellement chrétien, réellement converti. Donc s'il est là, s'il est avec nous, chaque moment de notre vie, nous devrions vivre comprenant qu'il est là, vivant d'une manière respectueuse. Et la personne qui le fait sera bénie à l'extrême. Une telle personne sera une bénédiction pour toutes les personnes autour. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le chrétien ne trouvera pas une pleine joie avec les choses du monde. Cette pleine joie ne se trouve pas dans une vie normale, mais dans une vie surnaturelle, où on est véritablement en train de suivre le Christ, de nous laisser conduire par le Christ. Une personne qui s'approche de Dieu ainsi sera bénie à l'extrême. Oh, Satan veut tout faire pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il veut nous empêcher de trouver le temps de prier, de jeûner, de méditer la Bible, ou même de venir aux réunions de l'Église, ou d'aller évangéliser. Mais dans la présence du Seigneur, Dieu va nous révéler sa volonté pour nous. Il va révéler un plan merveilleux pour chacun de nous. Ce plan ne va pas venir automatiquement. Il faut vraiment vouloir connaître le plan, être prêt à suivre son plan. Dans la présence du Seigneur, nos prières seront exaucées. C'est ce qu'il a dit au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais celui qui demeure en Christ ne va pas demander des choses farfelues. Celui qui demeure en Christ va vraiment demander que Dieu l'aide à gagner des âmes, que Dieu l'aide à encourager le peuple de Dieu, que Dieu agisse au travers de lui pour que les malades soient guéris, pour qu'il y ait des miracles, des signes, des prodiges, pour que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Et nous ferons des progrès. Ceux qui s'approchent de Dieu, qui font tout pour entrer dans une relation de plus en plus profonde avec Dieu, seront vraiment bénis. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, et au verset 3,
Paul a écrit, « Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité, l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens souffraient de manière terrible à cette époque. Mais ici, nous voyons une église qui, en dépit de ses persécutions, en dépit de ses tribulations, elle progressait. Il faisait de grands progrès. Et nous ne devrions jamais permettre que le diable nous éloigne de cette possibilité de progresser. Est-ce qu'il y aura des problèmes? De plus en plus dans les derniers temps, selon les prophéties du Christ. Mais déjà à cette époque-là, combien de chrétiens avaient déjà donné leur vie? Et pendant 3 siècles, le diable a essayé, au travers des hommes, de complètement détruire l'Église et tous les croyants. Mais ils ont fait, ils faisaient de plus grands progrès. Et quelqu'un a dit que l'Église a progressé avec le sang des martyrs, à cause du sang des martyrs. Quand on s'approche de Dieu, on peut tout supporter. Dans Romains chapitre 5, au verset 5, la Bible dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Celui qui s'approche de Dieu doit avoir sa présence. Son esprit. Pierre en a parlé dans le contexte de la souffrance. C'est surtout là que la gloire du Saint-Esprit sera sur nous. Notre joie sera augmentée si nous nous approchons de Dieu pleinement. Si nous cherchons en tout temps à avoir, à ressentir sa présence. David a dit dans le psaume 122, verset 1er, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Nous aurons la paix. Dans le psaume 27, au verset 1er, David a dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancelent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » David restait rempli de l'esprit. Il faisait tout pour s'approcher de Dieu en tout temps, en dépit de tous les problèmes dans sa vie. Et Dieu le bénissait. Dieu agissait de manière miraculeuse. Vous connaissez l'histoire de David. Même avant d'être reconnu
par sa nation quand il gardait le troupeau de son père. Déjà, sans doute, il composait les psaumes. Il chantait à Dieu, gardant le troupeau. Et quand un lion s'est présenté pour prendre une brebis, Dieu lui a donné la force de le tuer. Quand un ours, un autre soir, a essayé la même chose, David l'a tué. Et quand il n'avait même pas l'âge pour être un soldat, Dieu s'est servi de lui pour descendre Goliath, le géant. Quand l'armée, quand tous les soldats avaient peur d'avancer pour lutter contre lui, David a tout accompli par la force de l'esprit. Il avait la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, on a la paix. On a la joie. La mort sera moins effrayante. Les moments de tristesse seront moins pénibles. Mais comment s'approcher de Dieu? Nous avons déjà lu quelques passages qui en parlent. Ce qui est obligatoire, c'est que nous devons nous repentir tout en étant pécheurs. Et même les croyants doivent examiner leur cœur et leur vie régulièrement. Chaque jour, ce que Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, était adressé non pas aux non-convertis, mais aux convertis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous pouvons pécher au niveau de nos pensées, et nous devrions demander pardon pour toute pensée impure, pour toute pensée négative, incrédule. Nous devons veiller sur nos cœurs. C'est la première manière de nous approcher de Dieu, de vraiment changer notre vie. Comme Jacques l'a dit, nous devons laver nos mains. Changer notre cœur et vraiment vouloir être saint. Tu as dit, soyez saint car je suis saint. Dieu ne va pas honorer par sa présence et sa puissance quelqu'un qui ne s'éloigne pas du mal, qui ne chasse pas l'impureté de son cœur. Évidemment, ce qui peut nous aider, c'est la parole. Le fait de méditer cette parole. Dans le psaume 119, au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» La réponse est donnée en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Le simple fait de méditer cette parole peut nous aider. Restez pur. Au verset 115, dans le même psaume, il a dit, « Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. » David avait une règle dans sa vie. Il ne voulait pas être auprès des pécheurs.
Il s'éloignait des pécheurs. Il s'éloignait des menteurs. Il ne voulait que personne dans cette catégorie soit dans sa maison. Et la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est le fait de s'éloigner du mal, s'éloigner des pécheurs. Évidemment, nous devons aller vers eux pour témoigner, mais être des copains avec de telles personnes, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Dans Ésaïe, au chapitre 58, nous voyons l'importance du jeûne et de la prière. Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère avant d'avoir jeûné 40 jours. Et tout au long de son ministère, il jeûnait souvent, et nous voyons que Paul et les autres apôtres jeûnaient aussi régulièrement après la crucifixion du Christ. Dans Ésaïe 58, nous voyons donc une autre manière de nous approcher de Dieu. Il y a une mauvaise manière de jeûner qui est visée en premier. Les Israélites avaient l'habitude de jeûner certains jours, mais ils ne jeûnaient pas de la bonne manière. À partir du verset 6, nous voyons ce que Dieu désire quand nous jeûnons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ces chaînes peuvent être autour de nous et autour des autres. Dénoue les liens de la servitude. Toute personne qui commet l'iniquité devient esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, le Christ a dit. Quand nous jeûnons, nous pouvons dénouer les liens de la servitude, de cet esclavage, dans nos vies et dans la vie des autres. Renvoie libre les opprimés. Nous croyons que les vrais chrétiens ne peuvent pas être possédés de démons. Ils peuvent quand même être opprimés, attaqués de l'extérieur. Mais quand nous jeûnons, nous serons victorieux nous-mêmes. Quand nous jeûnons pour les autres seront libérés de toute oppression. Que l'on rompe toute espèce de joug. Au verset 8, je vais lire aussi le verset 7. Parce que ce qui est, si vous voulez vraiment être béni, Dieu demande la prière, le jeûne, mais aussi le fait de penser aux autres, de vouloir aider les autres. Tout est mis ensemble dans ce passage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. C'est-à-dire, vous aurez une réputation, que Dieu vous bénisse. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Pas uniquement
son esprit invisible, mais la gloire. La gloire. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Combien de gens se disent chrétiens, mais les points d'exaucement à leur prière. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, en fait, nous pouvons mettre tout par terre. Nous pouvons jeûner 40 jours, même 3 fois par an, mais si nous ne changeons pas nous-mêmes, si nous restons avec des paroles injurieuses, des gestes menaçants, etc., tout sera par terre. Dieu ne va pas nous bénir. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi, c'est-à-dire pas très pénible, la midi, il y a le soleil. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dieu n'est pas loin de nous. Le Seigneur a promis d'être avec nous. Dans le psaume 34, au verset 18, « Quand les justes crient, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » C'est-à-dire des gens qui font ce que j'ai dit tout à l'heure, qui enlisent leur cœur, leur vie, s'ils ont péché aujourd'hui, dans leurs attitudes, dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leurs actions ou leurs réactions. Avoir un cœur brisé, c'est se sentir mal quand nous avons mal agi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Dans le psaume 22, nous voyons que si nous voulons nous approcher de Dieu, ce n'est pas uniquement la prière, ce n'est pas uniquement le jeûne ou la méditation de la parole. Nous devons surtout apprendre à adorer notre Dieu, à louer le Seigneur, à être reconnaissant. C'est souligné aussi dans le Nouveau Testament. Mais dans le psaume 22, la Bible indique que Dieu siège au milieu de nos louanges. Donc, notre manière de nous approcher de Dieu, c'est par la louange. Et Dieu lui-même va s'asseoir. Il sera présent par son esprit. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5 que pour rester rempli de l'esprit, il fallait faire quoi? Chanter ses louanges.
les hymnes, les psaumes, les cantiques spirituels. Et il fallait être reconnaissant pour toutes choses. La justice, la paix et la joie seront le partage de toute personne qui s'approchera de Dieu. Est-ce que vous voulez vraiment cette sorte de relation que le psalmiste avait? Je voudrais relire donc le psaume 73 à partir du verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Prions le Seigneur ce soir. Père Céleste, de notre louange, nous te bénissons. Garde-nous par ton esprit. Aide-nous à toujours avoir des cœurs brisés, que nous puissions marcher humblement avec toi, car nous ne sommes que des pécheurs sauvés par la grâce. Et nous avons besoin de cette grâce et de ta puissance chaque jour pour faire ta volonté. Seigneur, purifie-nous. Pardonne-nous toute iniquité. Aide-nous à te glorifier dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions. Remplis-nous de ton amour par le Saint-Esprit. Aide-nous à avoir cette relation profonde et merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Restons avec les yeux fermés, les fronts courbés. Avez-vous besoin de prière ce soir? Avez-vous besoin d'être purifié, délivré du pouvoir du péché? Élevez votre main si vous avez besoin de prière. Oui. 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 D'accord. Père Céleste, nous prions pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Seigneur, aide-les à marcher pleinement avec toi, libre, libre de toute oppression, de tout lien, que le diable ne puisse pas troubler ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à progresser chaque jour, en dépit de la persécution, en dépit de toute tribulation. Que nous puissions grandir en toi, que notre amour augmente de plus en plus pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes malade, élevez vos deux mains vers le ciel. Père Céleste, tu connais les problèmes physiques de chaque personne. Tu veux que nous soyons en parfaite santé,
que nous soyons forts pour accomplir ton plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, guéris toute personne qui place sa confiance en toi ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.